DG Stéphane. Bala Mwangi. Congo ya Lumumba Congo. La fachi beton. Tangwe koki yo yo yo. Tangwa ngoya ngoyo e koki. Tolanda kango. Papa Stéphane, Bala Mwangi. Bien, voilà, et Indeli Corneille Nanga, après son apparition le dimanche dernier en direct d'une église catholique au niveau du territoire de Rutshuru et la paroisse, c'est la paroisse Saint-Éloi, le curé responsable de cette paroisse Saint-Éloi au niveau de Rutshuru, capturé et arrêté, maîtrisé par le Wazalendo. Révélation dans cette émission et Corneille Nanga porté disparu au niveau du territoire de Rutshuru. Une cité et localité attaquée là où se trouvait Corneille Nanga. Et des détails tout au long de cette émission bombardement. Et nous saluons une implication avec beaucoup de patriotisme des Wazalendo sur terrain après les territoires de Masisi, comme ça a été la précision dans la première édition de notre journée de ce matin. Et dans cette deuxième édition, nous serons vraiment en direct de Rutshuru avec images à l'appui après arrestation de cette paroisse ou encore de ses responsables kiré de la paroisse Saint-Éloi Moto Yayamba qui Corneille Nanga dimanche passé. Ayambi apesie malobaba kangie bache maboko. Le curé de la paroisse Saint-Éloi est à ces instants que Corneille Nanga porté disparu. Et après bombardement, nous allons vous montrer suite naïe Nini et Komeli Corneille Nanga à ces instants. Nous allons aussi parler de la situation au niveau du Rwanda après élection et plusieurs révélations dans cette émission. Merci beaucoup Nabande Kobaza Kota Labiso. La situation au sein de l'IDPS. Est-ce qu'il y a du calme à tous ces derniers temps, Bukoyo Kango Sikoyo? Et nous allons aussi vous parler d'une coopération ou aussi encore d'un grand sommet Corée-Afrique précision dans cette émission. Merci Nabande Kobazo na Biso na Kinshasa au niveau ya 145 territoires bo kota la Biso libanda ya mboka na France na Belgique na Allemagne na Bangladesh na Nouvelle-Papouasie na Kazakhstan bo ko na Biso na Brésil na Sao Paulo bande ko na Angola na Gabon bo kota la Biso na Afrique du Sud na PC Bidomboti. Alors Nambi pona bino les combattants d'élite et les natifs de Boudjala il est de l'IDPS sont des Komara Bobola Mbote. Mbote, Jésus en coulé. Na pesi mbote. Bonne santé. Na moni santé za malamu. Merci na beaucoup. Na moni lati wa benga kana Lingala ba benga ka Mosaka. Langi ya mboka. Na langi ya mboka penza. Na langi ya bapaya ni ba benga ka John. Voilà. Mais na Lingala ba benga ka Mosaka. OK. Na pesi mbote na ngai bongo e pa na ba imboka banso, ba bazana na poto, na suite na lingaka mingi bino na lingi bino mingi. Na bo sanité ba agent et cadre ya Congo Airways ou na ebi ke mikoleza kuya ba kokota na mwa moment moko bo difficile parce que compagnie wana oyebi ke ba avion e vanda baza lisu na ba avion te ba sala ka ndenge ni tous ces derniers temps ba avion ezate musala e kangama ba trafic ezala ka lisu te ba agent ya société wana Congo Airways ba ko vivre ndenge ni tous ces derniers temps rapidement. Oui, bon, pour le moment vous savez que baza ko vivre na avion moko baza ina na des avions avion moko izonga ki pona kou ya il y a location bah ben on a terme aviation civile avion ben on a leasing, ça veut dire que tant on loue avion ça veut dire que c'est un avion en leasing, c'est un avion en location. Alors batikala qui n'avion moko il a fallu ezonga depuis kalamé bah négocier qui bah maintenant qui on met cette fois là avion zo qui n'est pas dans check il faut pas le moyen bah réparer en haut bah qu'on changer trait d'atterrissage bah qu'on changer bah kit na carte bah siège et notre pays va rester comme ça donc vous en avion té. Ça veut dire que non, ça va déranger non seulement ma famille, il y a bah employé wana ou il va kovana na bandako et puis ça va aussi déranger les populations, la population congolaise ou bah bandako vaki na ba situation na ba okende Goma, okende Lubumbashi, na ba différentes escales vraiment esa situation moko moi personnellement et déranger ngai, yango moni na lingaki na senga et pas na ministre ya transport Kulutu Jean-Pierre Bemba oyo mokonze kolo a senga ki na conseil des ministres na mama Judith Soumina ba zo ba moyen pona ko luka moyen
ko pesa Congo Airways ba avion mboka mobimba to koki kozanga compagnie avion so te tozana compagnie aviation ezali to koki kozanga ba avion te ça veut dire que kozanga ba avion e ko pénaliser bato ebele parce que na mboka na biso il y a beaucoup de gens je dis en colé oyo bakenda ka ba Goma bakenda ka ba Lubumbashi bazo ke nimbanda ka Kisangani c'est à travers les avions les moyens o ezali rapide ya ko sala o ba bengi désenclavement ya territoire ezali à travers les moyens des transports aériens donc toujours senga la maman Judith Soumouina na kulu tunanga Jean-Pierre Bemba ministre ya transport et voies de communication ya désenclavement du territoire boluka moyen bo pesa Congo Airways ba avion avion zo ke ne check en tout cas ceux qui avaient une équipe, bah qu'on vend et qu'on allait le couvrir malamouté et qu'on allait le bon malamouté pour le chef de l'État, pour le régime. Checking wana ezoka plus ou moins combien de temps? Bon, checking est dépendant quand on a problème au avion ils allent en haut. Bah technicien m'a révélé que l'avion peut faire un mois, l'avion peut faire deux semaines, l'avion peut faire deux mois. Ça dépend sur quoi il y a problème au avion ils allent en haut. Mais je pense que le coup l'avion est acquis. Travailler, je pense que peut-être que Koki n'a pas de nango ya maintenance ou il s'engage pas qu'il ne va pas la checking. Donc ceux qui avions et qui checking, je dis encore les le second niveau que Lubumbashi il faut soit peut-être accompagné à CA. Ceux qui place les athées, vous êtes obligé à causer là une semaine, deux semaines. Alors que ceux qui Congo Airways, à ça là qui n'a pas avion à 4, 5, 6 dernier chef de l'État sur état qui et vous allez le comme un malam et conseiller à chef de l'État en matière de transport je ne sais pas moi bateau n'est tout ça que le bateau basa qu'on critiquer chef de l'État peut-être à tort bateau chef de l'État ça qu'on joue à couper sa bango misala aux a conseiller à mon conseiller dans le domaine peut-être il y a transport il faut qu'on ne couille pas sa chef de l'État qui t'as la compagnie telle basa un problème il y a avion ils ont qu'on ne check ceux qui avions les EKI, bah vous en avez difficulté pour population à se déplacer qui n'a pas province et le président de la République n'a conseil des ministres a couru construit ministre à transport ou bien et pas na premier ministre maman Julie de Soumina bon le moyen bon zoba moyen nécessaire les moyens urgents pour na koluka Congo Airways à zoba avion et permettre bah tout se déplacer. Très bien. Moi j'ai eu à travailler dans l'aéroport, j'ai dit encore je t'ai dit ceux qui ont qu'un aéroport et que osana vol et que avion vol les athées et ça là comme quel et je sais qu'en ce moment il y a déjà des passagers au bazar qui critiquaient peut-être chef de l'État et ils ont la malamouté bas au bamezi pendant que Lukaba paie sa Congo Airways avion commandant wana José Dibier c'est quelqu'un aussi qui se bat au yoyo bazar depuis n'arrivé à tête à compagnie wana bazar au Bunda malgré moko moma ils a difficile mais qui se bat donc voilà un peu très bien alors prenons directement l'avion même tour défa avion ya Air Kasai ou encore tout défa ya CAA potozwa pe pour le mbango to koma na niveau ya Nord Kivu na territoire Rutshuru wapi bazali ko la kisabiso e yindi makasi après avoir accueilli Corneille Nanga les rebelles l'abbé de l'église catholique de la paroisse Saint-Éloi vient d'être saisi par les Wazalendo en direct de cette émission et Indélie Makassi. Alors, Ndekoma Rabobola, parlons de la situation parce que tôt ce matin, la cité de Boaremana et Zalaki bombardée. Ce sont les Wazalendo qui ont bombardé une position des M23 et composée des militaires rwandais. Et encore, on vient de nous révéler ici les territoires de Rutshuru, là où se trouve Corneille Nanga, va attaquer Angoto Kolakisape Bande Koukoumès, que Corneille Nanga et Indélie Makassi et Nini Ekomelie Tokolakisamo dans cette émission. Alors, les prouesses des Wazalendo et la situation actuelle, il y a Kiré à paroisse, il y a Saint-Éloi, il y a Yamba qui Corneille Nanga. D'abord, le Kola Congolais, Kotala, Kiré Oyo, il y a Yambi Corneille Nanga, a Pessie Sika, Aloba, à transmettre un message comme rebelle, basu possession à Rutshuru, et aujourd'hui, le Wazalendo va attaquer Bango, va prendre possession à paroisse et va maîtriser Kiré Wana. Est-ce que le Kiré est innocent? Est-ce que le Kiré est coupable? Marabobo la Kolobani. Merci beaucoup encore une fois de nouveau pour l'opportunité au Pessarabi sur Mikolonion. Nous sommes vraiment reconnaissants pour la Moussa Lozakosala. Je vous félicite aussi. Merci. Vous êtes parmi les journalistes les plus engagés parce que les gens pensent que vous allez engager dans le combat où c'est seulement aux Amunduki. Non. Bisso Moussa Nabino, il y a Bisso Nabino, Bakapanzi Sango, et Zali Otuzakosala. Et moi, je voulais aussi, Jésus, en coller de vous encourager, de merci vous motiver pour continuer à faire le travail de Nozakosala. Vraiment, je pense que le Dieu du ciel vous sera toujours reconnaissant. Et un merci jour, je pense que pourquoi pas le chef de l'État. Aya mbajezi anko le pona kwa nkumaje yo et surtout aussi bandeko pe bazan na front ou bazali ko pesa ba information o ezali te yango encourager bandeko o bazaba inemi ya république na biso
Je pense que à mon humble avis, Ezali loko moko ya malam kire wana batia e maboko. Est-ce qu'il est coupable ou encore il est innocent? C'est ça la question. Écoutez, écoutez, Jésus en collé. Tozali na une république Ezali dictatorialité. La République démocratique du Congo n'est pas un état oyoyo tisike di Azali un tyran, Azali dictateur été. Même soko ke ina niveau ya Israël qui se bat aujourd'hui avec Jérusalem. Oko ki jamais kondimake Israël na katia mabele ya Israël un kiré ou alors un pasteur, excusez-moi, d'une église, soit de réveil ou de message du temps de l'enfer, il y a biso ba branamiste ndenge na lobayi la fois passée, a kende kozwa église ba pesa yango na lingomba moko ya ba rebelle oyo bazali ya ba musulmans o bazali ya Jérusalem ba ya bongo ko lukamo ya Palestine pardon ko ya ko sala ko sanjola na kati ya mabele ya Israël ezali haute trahison ba koki koti ka ebongo te. Yango moni la fois passée na yebisa que Jésus en collé esengeli tata en cardinal ambongo ba benga kire oyo ba benga responsable oyo ezala ba messi la b ezala ba kire banganga nzambe wana ba yeba sala ki misa wana pona koluka kokoti sa corneille nanga pona kokende kosala lo sambo kokumisa nzambe. Comment on peut remercier Dieu dans un territoire qui est occupé, dans un sol où on a tué, on a pillé, on a violé les mamans? Ça veut dire qu'au moment où Messi Nanga est en train de remercier le Seigneur, de lui avoir protégé, de lui avoir donné l'opportunité, yakoya kokuta na bandeko na bali bandeko congolais, ça veut dire qu'à un autre côté, bazali ko pesa nzambe kanda. Parce que le Dieu, il n'est pas un Dieu de désordre. Le Dieu n'est pas un Dieu de la calomnie. Le Dieu n'est pas un Dieu de violence. Le Dieu n'est pas un Dieu de tuerie. Nzambe azali nzambe mulongo. Mais comment vous allez prendre ce Dieu qui est un Dieu de l'ordre, qui est un Dieu de l'amour, un Dieu de la bonté, bokei bozu le sang bo pesi ango e pa na rebelle. Raison pour laquelle il était question bazo akire wana ba be wana batia bango maboko. Mais le comment on a yebisa ki yo mokolo le ki lalie ke soki ezali ke bakangi kire wana na makasi. Bazui bango na makasi. Ah, là on peut comprendre que ezali mouvement rebelle ndenge na yebisa ki la fois passée que c'est un mouvement qui vient dans un village. Bazubino toke nde bilanga bokei toke nde mai bokei tozana posa toli a pondu ba yeli bango pondu tozana posa toli a taba. C'est comme ça se passe. Mais parce que nous avons vécu ça. Ndekomara bobola na kota la déroulement et kilto ndenge salamaki na paroisse o ya Saint-Éloi na Rutshuru na kota la déroulement et kilts le kiré responsable de cette paroisse n'a pas été harcelé, n'a pas été intimidé, n'a pas été sous pression apé sananga maloba. Nanga été au niveau yakitina ya kovanda, c'est le kiré qui a pris l'idée ya ko inviter nanga na cher liboso à transmettre ces messages ya déstabilisation, ces messages ya ba terroristes en plein kilt et face de nanga, il y avait la population congolaise des pères et des mères. Mais écoutez, je salue beaucoup une très belle question, une question très pertinente. Je dis en collé tango oyo un rebelle aye awa. A côté par exemple na étando ikende to za sa l'émission. A voyez bi ça bon, bozo vanda kana position wana. Moto a bougé té. Oya ko bougé azanango. Ce que bosi si émission chaque personne parce qu'ils ont les moyens. Azana $100, $100, $200, $200. Bozo lo ba yango na émission awa wa tama lo ba bokolo ba. Je donne un exemple. Kabuya ndenga zabo ba metenir na IDPS. Nanga auto koma na kenge. Ça c'est un exemple que je donne. Est-ce que yoko boya yango oko boya té parce que bazu munduki ba pesi yo munduki. Ça veut dire quoi? Tozongi na situation ezalaki na Burimani kuna na niveau ya mabele ya mboka na biso. Ba yei bazu kire mal militaire lata sultani. Zwa ba be na yo kende ko organiser église. Ba yei ba kangi village. Ba yei bisi ba tomboka bola tabilamba la bino normalement. Tozo kende ko kumi sans zambe. E mesena nga pe alati yango pe ninga lata ki wana parce qu'il n'était pas en tenue na bande ko mususu ba longwa a bande ko na biso a pe perdre ba kende ko accompagner ye. Ba lata ki vraiment tenue civile ba ke ko kota église ninga ba tiyon so ba kota ka. Qui vous dit que na libanda ya église wana il y a pas eu de militaires bien armés? Qui vous a dit que non na ba frontière ya village wana il y a pas eu de militaires au bazaki na ba soda pour na ko sécuriser place wana? C'est un mouvement rebelle. Nyonso bakosa la yango, il faut ezala toujours accompagner, notamment na nini, na minduki. Et comme ezabilo ko wana, l'organisation de l'église et sengeli suko yo ba luka moyen, ya ko kende ko kota na contact na kire wana.
parce que le village est pris en otage. Le village est sous le contrôle. Il y a un mouvement, il y a rebelles. Kiré à Koussa la Nini, à Koussa les deux côtés. Et pour votre information, tant que les rebelles sont Kotaka, dans la localité, dans le village, dans le territoire, et là, quoi, les bosso bango ba visaka d'abord ba kendeke pa na banganga nzambe ba kei ba moni ba meselabe ba moni ba kire ba moni ba pasteur ba moni ba ba tunyoso ba za ba responsable soke sili ba kei suke pa na soit pa na chef de secteur et pa na chef de territoire et pa na chef ya localité chef de village chef coutumier ne ba tuana o bango ba zoka parce que ba ebike ba tuana ba 26 pouvoir wana o ezali établi par la République démocratique du Congo et ensuite ne ba kokita wapi ba komi ko kendo moni ndenge nanga qui la fois passé à Kena Wenze, à Kena école, à Kena peut-être na rivière, à Kena la place au Baibi qui est quoi tirer une agglomération et un bateau. Et c'est ce qui s'est passé ces jours-là. Mais loco la kire, y a on a l'obéi que ceux qui zali qui baso qui bango na makasi, la kire c'est un innocent, ba subi au babenga la pression na part y a ba rebelle. Mais ceux qui zali qui baso qui pressionté, ça c'est une autre trahison. Vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Kochaye maboko ekozala harcèlement, kochaye maboko ekozala violer la loi, ko maîtriser ko luka koyoka e parce que le lot zo ka polémique à Kinshasa, ko fiolomide aleka ki na chaîne à télévision, à sali émission, à lobby ba propos na yo azar responsable ba propos wana, ko kende pe na angle ya ko interpeller kire wana. Na lolenge bali kochaye maboko, balandela e bas sanctionné la loi est condamnée, est-ce que c'est une bonne procédure? Mais oui, écoutez, la justice, nul n'est au-dessus de la loi. Que vous soyez pasteur avec beaucoup de respect, que vous soyez responsable d'une église, au moment où il y a un problème qui dérange la souveraineté d'un État, qui dérange également la tangibilité des frontières et notre intégrité territoriale, on peut toujours vous inviter. Si Kofi a été invité seulement pour avoir nié qu'il y a la guerre entre la République démocratique du Congo et le mouvement du M23 qui sont soutenus par les Rwandais, mais pourquoi pas aussi interpeller Sekiré avec beaucoup de respect, qu'on puisse aussi l'interroger. Bon, monsieur Sekiré, nous vous avons vu organiser une messe d'action de grâce accueillant monsieur Nanga et ses groupes, où M. Nang est entré de remercier le Seigneur de lui avoir donné l'opportunité de parler avec la population congolaise, qui n'est pas sa population, parce que M. Nang a jusqu'à preuve du contraire, qui n'est pas le président de la République, ni le chef de l'État, il n'est ni le chef des riz, il n'est ni même chef coutumier. C'est un rebelle qui revendique malheureusement ses droits à travers un mouvement rebelle. Voilà pourquoi on peut toujours interpeller ce qu'il est. Mais jusqu'à présent, nous pouvons le dire que ce qu'il est jouit de ce qu'on appelle en droit la présomption d'innocence. Alors, très bien. Nous avons rapidement, concernant toujours la responsabilité de Sekiré, nous allons rapidement lire ceci. RDC, le chef rebelle Corneille Nanga dans la paroisse Saint-Éloi de Rutshuru, la Cinco parle d'un accident pendant la messe dans une zone en guerre. Loin d'être l'expression d'un soutien de l'Église catholique à la rébellion, comme certaines personnes de mauvaise foi le pensent. Il s'agit plutôt d'un accident survenu à la grande surprise du prêtre officiant dans un contexte que nous pouvons tous imaginer. Communiqué signé par la Cinco. Là en bas, nous voyons la signature de l'abbé Cholet. Ici, on nous parle d'un accident survenu. Le curé responsable de la paroisse Saint-Éloi ne s'attendait pas que Corneille Nanga Kokota et subitement Amoni Akoti et Apesaki et Maloba ainsi de suite. Donc on a déjà parlé de cette situation et ici la Cinco et Zoluka ko tirer les rideaux na côté na bango. Oui, la Cinco va toujours justifier, hein? Oui, la Cinco va toujours tirer les rideaux de son côté parce que en voulant pour chercher comment laver l'image de ce curé. Mais il faut entrer aussi dans les méandres, dans la profondeur, pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Parce que quand on parle d'un accident, on voit quelque chose qui arrive de manière inattendue. Ça veut dire que vous n'avez pas préparé ça et ça arrive.
Vous comprenez? Ça veut dire que n'est au vani boit au monica plateau brûler quoi le nabiso. Non, je n'ai pas dit que non plateau quoi le nabiso. Je suis à coller. Mon ami qui a payé mon robin à moi liwa mingi hein. Makasi. Makasi hein. Non, tout ça le limbo côté tout cani gosse. Vraiment. Moussala. Il faut tout ça non. Moussala est mingi gosse la mbogo ezali. Ezali hein. Et comme il en a kati kati. Ah, je suis à coller. Merci beaucoup. D'accord. Ça veut dire que cet accident devait aller dans ce sens. Ce qui est kenda qui n'a sens ouana Jésus en collé, on aurait dû voir d'abord du côté des rebelles, on allait voir M. Nanga avec des tenues militaires. Vous comprenez? Mais on n'a pas vu Nanga avec des tenues militaires. Nanga est venu avec des tenues civiles, accompagné avec tous ses membres et ses acolytes en portant des tenues civiles. C'est vrai qu'il y a eu des militaires qui étaient en tenue militaire bien armée, qui accompagnaient M. Nanga pour sa sécurité, ce qui est légitime comme un rebelle qui doit toujours être accompagné de quelques militaires pour sa sécurité. Mais en dehors de cela, comment les Kiré peut convoquer M. Nanga pendant qu'il y avait une messe d'action qui se déroulait pour donner la parole à M. Nanga? Parce qu'on a vu directement Nanga est venu, ils sont entrés à l'église, ils ont pris la place comme tous les chrétiens, tous les fidèles qui entrent dans une église. Une précision aussi de Komar Abobola, Nanga Ayaki Brisque était Nanga vivait déjà dans cette localité. Ayaki le même dimanche était. Ba vandaka déjà wana parce que ba occupa déjà localité cité wana. Donc, Bazala qui en a peut-être il y a deux semaines déjà, il y a une semaine déjà, la présence de Nanga ba annonça qui y a mot, c'était pas un accident. Très bien, une très belle analyse très profonde aussi. Ce qui est que Nanga Zala qui en a depuis Kala, ça veut dire que tout a été organisé. Et lorsque la Senko qui va chercher à tirer les rideaux, alors les draps de son côté, pour chercher à laver ses kiré, on pense peut-être que tout a été arrangé avec ses kiré. Et ils ont voulu peut-être chercher à officialiser vis-à-vis de la population qui était au sein de cette église, comment chercher à dire à la population congolaise que vous, si dans d'autres parties de la République démocratique du Congo, vous ne voulez pas parler de Nanga, vous ne voulez pas soutenir ce qu'est fait M. Nanga et sa coulite, voilà nous ici, à Routou, dans cette localité, dans ce village, nous sommes en train de soutenir M. Nanga. Mais si ça verrait dans ce sens, ça serait une haute trahison vis-à-vis de la souveraineté, de l'indépendance de notre pays. Parce que moi, Mara Bobo, là, je ne peux pas comprendre, dans les territoires de Boudiala, par exemple, que je suis là et qu'on entre par exemple dans ma parcelle, si peut-être qu'il y a des militaires qui seraient armés, là je pouvais peut-être ne pas faire face parce que face à l'armée, face à un groupe de militaires qui sont des rebelles, on a une loi au salaté. C'est ça. Donc ici, nous pensons que d'un côté, ce qui est que tout a été arrangé, il y a une haute trahison et que ce qui mérite d'être interpellé par la justice congolaise et puis battre et bayokaye. S'il y a des condamnations, ils peuvent toujours être condamnés, mais au moment où nous parlons, Azo joue dans la présomption d'innocence. Mais ce qui est donc c'est un innocent, Oyo, Bakanye dans ma casse, par le rebelle M. Nanga, préparez-vous dimanche au Rosa la Kilte, Bisotokoyawana, pendant que la population. Très bien, toujours dans l'ordre d'idée à Makamboto Ali Koloba, Nini Ekomeli bien, Nini Ekokome la Corneille Nanga. Alors, maintenant, la responsabilité de la partie congolaise. Quelles sont les actions qu'il faut poser sur terrain? Parce que tu aurais marqué, moi, Orgueil, Mapé Kazel et pas à Corneille Nanga, c'est une image de sabotage à Kosala, à Kokota Naba paroisse, à Kokota Naba Wenze, à Kokota Bisika Songolo Mpagala Nengo, tu copies sa précision. Alors, quelles sont les actions que nous devons mener du côté de Wazalendo et du côté de FARDC? Parce que Nanga se trouve dans le territoire de Bissona Routchuru. Et au niveau de la paroisse Saint-Éloi, la localité est connue, on sait là où se trouve Nanga. Et les actions que l'armée congolaise et les Wazalendo, et surtout les mesures, Oyo, autorité congolaise, il faut bazoua, pour que Nanga soit un peu capturé, pour que Nanga soit maîtrisé, et Nanga aussi soit arrêté, Azala maintenant à la disposition de la justice congolaise, parce que ça dure, et ça prend un peu du temps, ça dure, et ça prend un peu du temps, parce que Nanga, c'est une personne qui doit être maîtrisée. Alors, selon Mara Bobola, quelles sont les actions qui doivent être posées sur terrain pour maîtriser Nanga au niveau de Routchuru, parce que les Wazalendo sont aussi déjà là et le FARDC sont aussi là? Merci encore. Je pense que parmi les actions à mener, premièrement, d'abord, il faut d'abord que tous les Congolais puissent se revêtir encore de cet habit qu'on appelle le patriotisme. Parce que seul le patriotisme qui va nous aider à lutter contre
les actions qui sont menées contre le développement de notre pays, à lutter contre la violation de l'intangibilité de notre frontière et à lutter aussi contre la violation de notre souveraineté qui va remettre en cause l'indépendance que Lumumba, le Okito, le Bakanza, le Baimbo et le Tshisekedi du Wamulumba, dont Félix Tshisekedi est en train de lutter. Et deuxième action, c'est quoi? Il faut que le gouvernement congolais mette en place des moyens matériels, des moyens financiers, les moyens des services d'intelligence afin d'appuyer notre armée. Parce que seule notre armée qui pourra peut-être arriver à atteindre et à étouffer tous les mécanismes de résilience et de développement que M. Nanga est en train de développer pour chercher à saboter les actions que le président de la République est en train de mettre à travers le gouvernement de Mama Judith Suminwa. Troisième action, et quelque chose que j'ai toujours aimé et que je peux proposer ici, c'est qu'on doit cette fois-ci appuyer les Wazalendo, donner les moyens aux Wazalendo et reconnaître le travail que les Wazalendo sont en train de faire. Pourquoi pas de chercher à créer un service national qui va désormais réintégrer tous les Wazalendo et dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Vous savez déjà ce que font les Wazalendo de la partie Est de la République démocratique du Congo pour défendre l'intégrité territoriale, pour défendre notre souveraineté et chercher à bouter dehors l'ennemi qui est en train de chercher à balkaniser notre pays, qui est en train de chercher à piller et qui pille derrière les ressources de la République démocratique du Congo. Pourquoi pas qu'on puisse avoir les Wazalendo dans les territoires de Boudiala? Pourquoi pas qu'on puisse avoir les Wazalendo dans les territoires de Mweka? Pourquoi pas qu'on puisse avoir les Wazalendo au niveau des 145 territoires? Au niveau des 145 territoires, j'en arrivais très intelligent. Yo Kataranga Kakaboye. Sauf que ça qu'on décolle. Yo Kataranga Kakaboye. Ah, je suis encore vraiment. Merci beaucoup. On y va. Ça veut dire que dans l'ensemble des 145 territoires, le président de la République, ensemble avec le gouvernement, pourquoi pas les chefs de l'État puissent créer un service national de Wazalendo. Ça veut dire que ils à la service au Ekoya pour appuyer armée Nabiso et qu'ils à la service au Nakati. Il n'y aura pas seulement les Wazalendo qui vont prendre les armes, mais ça sera aussi un service qui viendra pour appuyer aussi les services nationaux des renseignements militaires. Nous avons un service national où on prend les Kuluna ici à Kinshasa. Les bandits urbains, on les amène à Kayamakasese avec le travail que mon général John Kabou qui est en train de faire. Félicitations mon général avec le travail que vous faites. Aujourd'hui nous avons les services nationaux, nous avons et ces services aussi va accompagner notre ministère de la Défense, va accompagner notre armée et ça va aussi aider de la manière à ce que même si les Wazalendo du Nord Kivu, les Wazalendo du Sud Kivu, les Wazalendo de Bukavu, de Goma et dans tout d'autres territoires qui peuvent peut-être être peut-être affaiblis ou fatigués, on peut les renforcer par d'autres Wazalendo au Yobakoui Kolokotabango dans le territoire Nyonso. Donc ici, je pense que ça sera un message que je peux lancer au président de la République. Chef de l'État, vous avez l'obligation, vous avez intérêt de pouvoir stabiliser notre territoire, vous pouvoir stabiliser l'intégrité territoriale de notre pays. Ça veut dire que ici, si vous allez terminer votre mandat et que jusque là, nous n'avons pas encore bouté dehors les éléments du M23, je pense que nous allons remettre en cause le combat que Étienne Tshisekedi Wamulumba s'est bâti. Mais nous vous croyons. Nous croyons en votre capacité. Nous croyons en votre intelligence. Nous croyons à votre savoir-faire. Et nous croyons surtout à votre capacité de pouvoir se défendre contre l'armée rwandaise, contre les M23. Voilà encore l'occasion vous est donnée. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec les hommages les plus déférents, cherchez à créer un service national de Wazalendo qui sera un service appuyé, appuyer l'armée, qui va appuyer notre FRDC, qui va appuyer même la police pour pouvoir bouter dehors tout ce qui viendrait nécessairement pour piller les ressources de la République démocratique du Congo et essayer aussi d'agresser notre pays. Alors, très bien, prenons encore cette actualité. RDC, au moins 40 morts dans des affrontements à l'est de Kinshasa. Ici, nous sommes au niveau de la province de Mai Ndombe. À l'est de la province de Kinshasa, nous avons la province de Mai Ndombe, une petite partie de la province de Kwango. Alors ici, on nous parle de la province de Mai Ndombe où il y a la réapparition de ce que nous appelons phénomène Mobondo. Les Mobondo va réapparaître encore à l'est de la ville de Kinshasa. Ici, on nous fait le bilan des 40 morts déjà cet après-midi
au niveau de la province de Maïndo. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'aujourd'hui, la sécurité, les services de sécurité et les services de renseignement de la République démocratique du Congo sont commis faibles? Parce qu'à l'est, il y a des problèmes. Et aussi, non loin de la ville de Kinshasa, à l'est, dans la province de Maïndo, on nous signale 40 morts suite à une réapparition de cette, on peut dire, de cette rébellion, de ces terroristes. Je crois que au moment où les paroles s'envolent, les écrits restent. Ça veut dire que ce qui te zongi na mikolo eleki, peut-être à un moment donné, batubaza koloba ke bandeko balanda kabiso, toyo kakapende babenga kabiso, na ba reproche, ba remarque ba sala kabiso, mais pourquoi bino toujours ko zonga kana sima makambo Kabila? Kabila si akenda. Pourquoi bozonga kaka sima Kabila? Bato Kabila bazai su na bokozite. Mais Jésus encore il n'a pas eu besoin de l'okomoko. Nalibala soki obali mwasi oyo azalaki déjà nalibala. Yebaka déjà que il aura des problèmes oyo mwasi na bandai ko vivre nalibala na ye oyo kozana ba répercussions nalibala na yo tango kozana mwasi. De soki obali une dame divorcée. Voilà. Obali e pona mbala ya mibale. Voilà. Mwasi abala kala divorcé obali pona mbala ya mibale. Voilà. Na kati ya couple na bino, il y aura toujours des répercussions mabe wa sala na libala na liboso. Voilà. C'est ça. Voilà pourquoi bali le poto baloba ke mieux vaut épouser une femme veuve que épouser une femme divorcée. Parce que oyebite le pourquoi mobali ya ndima ki ko pesa e divorce. Elingi ko loba nini. J'ai beaucoup de respect aux femmes qui passent des moments difficiles après le divorce et tout. Je ne m'inquiète, je ne me manque pas. Il y a bah raison, bah cause, ça dit que bah soit divorce, bah monsieur soit soit divorce, peut-être un moment il est difficile à aussi porter comportement moralité et tout ça, je ne suis pas là-bas. Mais ici l'anecdote on en a pési, proverbe on en a pési, ezali par rapport yali bala oyoyo biso ide peste salaki ango na FCC. Ndeko Shadari a déclaré la fois passée à Jésus en colère. Alors bien que ce qui te sécède à tes moutons makasi, toko paralyser ma institution à Moka et ce pays sera un pays ingouvernable. Oyebi ndenge nini kulutu nangai pite kazadi. Avec beaucoup de respect na pesi mbote, ndenge nini abunda ki beke ongle pona koluka ko silisa makambo oba bengi ya mobondo. Je peux dire que tous les mandats de maître Peter Kazadi ezala qui consacré pour na makambo ya mobondo na makambo ya kuluna. Oyebi ke na ville ya Kinshasa tozala ki na influence ya bitumba o ezala ki ya mobondo. Mais tel est le oyo. Le ministre Peter Kazadi a zwa même ba représentant. Il y a deux partis, il y a Kwamutu na ba non il y a bandeko ya ba teke na ba yaka. Azoa ba chef coutumier, azoa ba notable, azoa bilenge, batoa na nyoso, asala effort ya kokuta na kosola na bango. Maître Peter Kazadi a kita même tina na niveau ya mabele, place mobundi bandai ko salema, a prodiga ba conseil, batia ba moyen financier, batia ba moyen matériel. A même même ba chef coutumier, ba notable a ke na bango ti e pa na chef de l'état et pa na commandant suprême. Baluka moyen ya ko signé même un pacte où izala ki ya réconciliation entre Bateke na Bayaka pour la makambo ya mobondo. Mais tala leloyo départ ya maître Peter Kazadi na ministère ya intérieur yango conflit ezongi lisusu. Et ici je vais encore lancer le message et pas la ministre ya intérieur kulute Jacquemain Chabani. Le ministère Ozanango, eza ministère y a ba problème. Eza ministère y a koluka ko résoudre ba conflit o ezali na niveau y a ba territoire, eza na niveau y a ba clan, eza na niveau y a ba différentes familles na ba divers na ba différentes localités. Lelo oyo problème y a mubondo ya ngwana ezongi lisusu. D'un côté tozana problème y a conflit armé o ezali entre biso la République démocratique du Congo na M23 na Rwanda. De l'autre côté, biso na biso moko tozali ko kende ko créer ba problème oyo. Ça veut dire que ce qu'on landeli bien, il y a une main noire oyo baloba ki on a débit na départ tant au conflit bandaki ke il y a une main noire o ezali na sima. Et mais la main noire, ce que ezali la main noire ya ba politique te ezali la main noire ya banane. Parce que je ne vois pas aucun homme d'affaires congolais oyo ko banda ko kende ko pesa ka ba mbondo ba minduki ko pesa ka ba ba moyen ba mbongo ba biloko ko kulia ba kisi pour se faire soigner pour na kuluka moyen ya ko bunda. Oui, à un moment donné, on a compris que ezala ki nango ba problème entre des comment on appelle ça, communautés, des communautés
pour la macamou ya taxe ou utina masangu na yo boy pour quatre na ngona zando ke noto ka ifu futa ça c'est pas toujours comme ça. Ce n'est pas une question de Kabila. Non non mon bondo mais écoutez non vous ne pouvez pas ce n'est pas une question de non écoutez parce que toyoka ki ba mon bondo za ba ba tutsi ba rwando ba yakana bangombe nzela nzela ya sid kivu ba kiti katana ba bandu ba yiki ko s'installer ba tuana bazawa au niveau ya mai ndombe ba tuana bazawa mon bondo ko za la bango mais ba tuana bazawa ko za la phénomène à Kabila mais écoutez à cause à la inscrité Kabila ko za la inscrité dans quatre phénomènes mon bondo si Kabila est inscrit le système de la Kabylie le kabilisme ko za la inscrité ça veut dire que makamuza ko le kanakuna quelque part tout le monde a une influence ya ba tuana et ko za na kati. Ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, pour la Koulouka Kouzomabele, ça ressemble à ce qui se passe dans le phénomène Mobondo. Parce que je ne peux pas voir. Congolais, ils ont un conflité. Congolais, tu as un natif à conflité. Congolais, tu as un natif à l'hospitalité. Il y a un babatou, tu vas voir. Bande qu'on a mis sur le Malien, baza awa. Baboukinabe, baza awa. Ba osse la bise sur le Yahou. Ba osse la bise sur le Babate Kakabilo, qu'on a bango, ba ote Kababilamba awa. Baza na ba boutique na bango. Yo, ce mot, on va réclamer que non. Comme il y a Kinshasa, comme il y a Bango. Non. Bandeko, ba wuta na est, ba yati na bangombe, ba vanda wana, na kingakati, ba zawana, ba installa bango wana. Bandeko wana Kabila zongsa bango. Poto mona kandenge ba kotaka, melelo ba zawapi. Yango moni na zako senga, na kulutu Jacquemain Chabani, ba lukana no moyen, ba zwa bandeko wana Kabila memaka ou ba yaka na bangombe. Ba zongsa bango place, ba wuta ki. Biloko nyoso, ça fait partie ya kuluka kuzo mabele. Phénomène Mobondo c'est quoi? Ils ont un problème, il y a Mabele. Bazoué la Mabele. Mais maintenant, Mbaoué la Mabele. Les Teke et les Bayaka sont des gens qui vivent ensemble il y a longtemps. Bakatana Rabilanga, Bakaboula Rabamanyoko, Babali Sanaka, Bakendaraba Feti par-ci par-là. Mais ceux qui le loyo, malgré effort, il y a Maître Peter Kazan, Nengena Saloua qui est fort dans Nengena Salaki, il y a aussi sa confluence. Mais le loyo phénomène ou anezongi. Ozumo n'a été que quelque part, Bandeko Bayakana Bangombe, Baouluka Moya pour s'installer. Avec 40 morts, c'est beaucoup. Hein, c'est 40 fou, morts, c'est beaucoup. Yozolo ba 40 morts, mais 40 morts, wana ils ont binzoté, ils ont boité, ils ont mémété. Ce sont les gens Bakoufi. Donc, Maître Jacquemain Chabani, Luka Moyen, je pense que nous avons intérêt à couper sa kimia et pas dans le peuple congolais. Nous avons intérêt à honorer mémoire et à éteindre Tshisekedi Wamulumba. Nous avons intérêt à saluer les efforts au chef de l'État Zako Sala pour nous Luka Koutia, kimia pour stabiliser, ya kuzungu sa kimia na mounye la école au Congo, et puis ya kuvande sa peuple congolais à vendre na kimia na somi na mboka na ye. Mais c'est là que Biloko Zako Sala, et ça m'a la moutée. Je donne ici. Le devoir, excusez-moi avec beaucoup de respect, service à renseignement, ministère de l'Intérieur. Bon, Luka Bandeko, wana ba kotaka na ba ngombe na kisas nanini na na bandundu na kwamutu na ba, na mai ndombe bazong sa bango place ba utaka. Très bien, merci. Peut-être cause à solution au moment la makama bandeko aussi là. Merci beaucoup na bandeko batalibiso partout na République démocratique du Congo. Là c'était la troisième édition de la journée. La première c'était Jésus en collé en face de vous en format éditorial et la deuxième c'était Stéphane Balamwangé en direct de Kananga Kasai. Et aussi la troisième, c'était Jésus Ankolé Oyambaki, le combattant d'élite de la première heure, natif de Boudjala, de l'IDPS. Il était en face de nous, de Omar Abobola. Alors, le Belibiso, ma situation, Marambebele. Nous allons continuer à suivre la situation sur terrain et par rapport aussi à la présence de tous nos envoyés spéciaux qui sont au niveau des différents territoires et au niveau des différentes provinces et aussi au niveau des localités, nos correspondants qui sont aussi sur place et certains Wazalendo qui continuent à faire confiance à Tangoko RDC et qui sont dans ces travails bénévoles et pour nous envoyer des informations à tout moment. Nous allons suivre aussi la situation de ces Kiré responsables de la paroisse Saint-Éloi au niveau de Rutshuru et nous allons aussi suivre est-ce que Corneille Nanga continue à être compté parmi les vivants ou bien il peut être victime de cette attaque de Wazalendo au niveau des la province du Nord Kivu et précisément au niveau du territoire de Rutshuru. Merci beaucoup Nabandekono sur Balandi Bisso et par après peut-être à la quatrième édition nous allons revenir pour donner des précisions par rapport à la situation de ce qui vient de se passer au niveau de l'est de la province et de la ville province de Kinshasa là où nous sommes au niveau de la province de Mai Ndombe.
parce qu'on nous signale 40 personnes sont mortes. C'est trop et c'est trop. Nous allons revenir avec images et avec précision avant la fin de cette journée du mardi 16 juillet 2024. À 30 secondes, de Maraboubola, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup. Je salue tous ceux qui nous ont suivis. Je rends un vibrant hommage et pas na bande konabiso ba ba kufi na makamwana ya mobondo. En tout cas, milimo na bango pe mana kimia, mais je pense que les chefs de l'État avec le gouvernement de maman Judith Assoumina bazali ko fournir ba effort pour na koluka ko tia vraiment kimia wana na ko pesa le soupe moi message bouquet so permettre ngai. Oui, très rapidement. Donc na niveau ya parti na biso IDPS malembe malembe kimia ezo kende na kokota. Donc tension ils osent à la maîtriser parce que chef de l'État Ayamba Kibongo secrétaire général Augustin Kabuya et puis maman Denise P Bakutana qui basola qui lobby d'ailleurs chef de l'État ni secrétaire général Augustin Kabuya Ayamba qui bas fédéraux nyonso au basali officiel je dis bien bas fédéraux officiel y a IDPS au Bayaki na niveau ya permanence azala qui na réunion na bango et puis bas réitéra qui soutient na bango et pas na Augustin Kabuya. Donc je pense que la paix va revenir au sein de notre parti politique et que notre parti va se développer et parce que nous avons quelqu'un de bien qui est en train de gérer ce parti politique malgré ma faiblesse naïe, mais nous à l'IDPS nous sommes derrière la hiérarchie du parti, nous soutenons le parti, nous soutenons également celui qui gère, celui qui a le pouvoir de Tourvira, Nengemba Pessa qui est dans scellé et nous pensons qu'avec lui l'IDPS sera encore plus fort, l'IDPS va démarrer et nous allons honorer la mémoire des sphinx délimités. Merci beaucoup Maraboubola, merci beaucoup à Gims Lokoumo qui nous a réalisé. À tout à l'heure, merci. DG Stéphane Bala Mwangi Congo ya Lumumba Congo La Fachi Beton Tangwe Koki Oyo Yo Tangwa Ngoya Ngoyo Ekoki Tolanda Kango Papa Stéphane Bala Mwangi Oyeye oh, yeah, yeah.